Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode qui sera vous aider à télécharger et installer iOS 15 bêta 8 sur votre iPhone facilement et rapidement. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment installer iOS 15 bêta 8 sur votre iPhone facilement et gratuitement. Et avant, si cela est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Donc, pour installer iOS 15 sur votre iPhone, juste suivez ces étapes. Alors, ouvrez navigateur. Puis, dans la barre de recherche, tapez ce lien. Et comme d'habitude, le lien sera dans la barre de description. Donc, allez au-dessus, comme ça, jusqu'à vous trouver iOS 15 bêta 8. Donc, maintenant, juste appuyez sur Install Profile. Puis, ça va apparaître avec vous cette page. Donc, appuyez sur Install Anyway. Ensuite, appuyez sur Autoriser. Donc, voilà, le profil est téléchargé. Directement aller à réglage de l'iPhone, puis sera trouvé une nouvelle option ajoutée dans les paramètres de l'iPhone. Ça s'appelle profil téléchargé. Donc appuyez sur l'option comme ça, et puis sera apparaître avec vous cette page contient iOS 15 et options pour installer iOS 15 sur l'iPhone. Donc appuyez sur install, puis tapez le code de l'iPhone, ensuite appuyez sur installer, encore fois appuyez sur installer. Maintenant, appuyez sur Redémarrer pour commencer l'installation de iOS 15. Une fois l'iPhone a démarré, allez à Réglages, puis sera trouvé ici cette option de iOS 15. Alors, appuyez sur l'option et directement l'iPhone sera commencé de recherche sur les nouveaux messageurs. Voilà. Maintenant, juste appuyez sur Télécharger et Installer. Ensuite, appuyez sur Accepte les conditions. Et directement, l'iPhone sera commencé à télécharger et installer iOS 15 sur votre iPhone. Et ça sera prendre environ 3 minutes. Une fois l'installation a terminé, votre iPhone sera redémarré automatiquement. Et puis sera trouvé que vous avez iOS 15 sur votre iPhone. S'il vous plaît, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre j'aime pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo.